Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je vais vous faire. Je vais vous montrer un logiciel ou plutôt un site qui vous permet de faire des plans, de dessiner votre jardin, d'aménager votre terrain, de construire votre maison, de réaménager votre maison si vous voulez. Enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça s'appelle Casaplan. Donc je vais le rentrer dedans. Voilà, Casaplan, il est là. C'est gratuit. Le seul truc, c'est que si vous voulez enregistrer, il faut que vous vous inscriviez. Donc c'est tout bête, une adresse mail, un mot de passe et puis terminé. Hein. Donc il est en train de charger. Alors désolé pour la longueur, hein, parce que c'est une calamité cet ordinateur. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec cette interface. Donc moi je me suis déjà inscrite. Hein. Si vous voulez démarrer avec un nouveau plan, alors vous pouvez soit d'après une forme, soit d'après vos plans à vous, et puis à partir d'un plan déjà défini. Donc si vous voulez par exemple faire un potager, bon bah vous prenez un plan sans rien, vierge, donc bon passe intro. Voilà, vous allez vous retrouver ici. Donc vous avez plein de possibilités, vous voyez, vous avez le terrain, vous avez les murs, les cloisons, enfin vraiment il y a des tas de... Et là-dedans, dans les éléments constructifs, vous avez les poutres, les poteaux, enfin vraiment, il y a de tout. Les piscines, vraiment, c'est complet. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai rien fait. Donc, on va prendre par exemple terrain-jardin, si vous voulez faire votre potager. Alors moi, ce que je fais, je prends limite de jardin, par exemple. Et vous dessinez votre plan. Alors là, je le fais un peu à l'arrache, hein. Je vais simplement vous montrer ce que ça donne. Voilà, faites ça, faites les limites de votre terrain. Et voilà, vous vous retrouvez avec ça. Bon, c'est un peu tordu, mais bon, j'ai fait avec... Voilà, vous essayez de... Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Une fois que vous avez ça, vous pouvez bien sûr le faire à l'échelle. Hein. Eh bien, vous pouvez mettre vos zones. Alors, soit vous mettez vos zones avec une autre limite de jardin, vous mettez limite de jardin et vous redessinez des zones potagères. Voilà, bon, c'est un peu tordu, hein. Vous pouvez mettre, si vous avez des tunnels ou une serre, vous pouvez même en mettre. Alors, vous avez l'onglet... décoré, je crois. Extérieur. Là, vous avez serre. Voilà. Et là, vous avez tout un choix. Donc là, c'est les tunnels et les différentes serres. Donc, par exemple, vous avez un tunnel. Hop, vous prenez le tunnel et vous le mettez où vous voulez. Et vous pouvez même changer, si vous voulez, la dimension ici. Vous cliquez là-dessus et vous changez les dimensions de votre serre. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que vous pouvez visiter votre jardin en 3D. Donc, vous vous mettez en 3D et vous pouvez vous balader comme vous voulez sur votre terrain. Alors, vous pouvez rajouter des arbres. Alors, les arbres, ils sont là. Décoré, vous pouvez rajouter, oui, je crois qu'il y a des arbres. Alors, attendez, environnement, non, c'est peut-être pas ça. Non, c'est le ciel, on s'en fout. Je les ai vus, hein. Je l'ai vu. Non, c'est ouais, c'est décoré. Ah, aménager plutôt. Aménager, extérieur, plantation. Alors là, vous voyez, bon, il y a serre, il y a plante intérieure, il y a massif arbuste.
Et là, vous avez tout un choix. Donc, pour décorer votre terrain, hein, voilà, par exemple, vous prenez ça et puis vous allez le mettre par là, par exemple. Donc, il y a même l'ombre, hein, vous pouvez même, je crois que changer l'ombre. L'ombre de portée, et je crois bien que vous pouvez le modifier. On va regarder ça, position. Mur, objet, élève, vous pouvez même l'élever, les dimensions, vous pouvez toujours le modifier. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ensuite, si vous êtes inscrite, vous pouvez le sauvegarder et puis y revenir après. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse le soin de bidouiller ça, hein, de vous amuser avec ça. Moi, j'ai trouvé hyper pratique. Moi, je me suis amusée à faire un plan. J'ai mes plans. Alors, j'ai mes plans, mes plans, mes plans, mes plans. Ils sont là. Je vais vous montrer. Alors, c'est fictif, hein. Je me suis amusée pour apprendre à le maîtriser. Donc, on va se mettre voir plan. Excusez-moi du temps qu'il met à charger. Donc, vraiment. Je trouve que c'est un logiciel qui est assez complet. Alors pour ceux qui ont un terrain et puis qui savent pas trop faire quoi dedans, je pense que ça peut aider. Alors, il est long, très long à charger, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, j'ai déjà le plan par-dessus. Enfin, on est au-dessus, donc vous voyez, ça commence à arriver. Et vous avez normalement la visite. Alors là, je suis à l'intérieur. Ah oui, vous avez ici pour pour vous déplacer. Hop, vous jouez à passe-muraille, vous passez le, hein, vous vous retrouvez dehors. Enfin voilà, vous voyez l'idée, vous pouvez vous balader. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis que ça peut vous donner des idées. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!